Chers frères et sœurs, la paix soit toujours avec vous. Nous fêtons en ce jour les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, qui sont les trois principaux messagers de Dieu de notre histoire sainte. Nous lisons dans la préface de la messe: Seigneur, Père très saint, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles. Et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres. Par le Christ notre Seigneur. Rappelons-nous que malgré notre imperfection, nous exerçons un ministère semblable à celui des saints anges lorsque nous proclamons la parole de Dieu à tous ceux qui nous entourent et lorsque nous intercédons sur le cœur de Dieu pour tous nos frères et sœurs qui se recommandent à nos prières. Chers amis, chantons la gloire de Dieu en présence des anges. Bonne prière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. Redoutable des cieux de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande en créance et par vie. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie, devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rencontré ses premiers disciples. Le lendemain, il décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé ». C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël réplique, « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. » Vous verrez les cieux ouverts
avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Demandons à Dieu de nous rendre à l'image des anges du ciel, prompts à faire sa volonté et toujours attentifs à sa parole. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Que notre prière offerte par la main des anges s'élève devant toi comme un encens. Seigneur, exauce-nous. Que notre offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire. Seigneur, exauce-nous. Que nous chantions avec la foule des anges, gloire à Dieu dans le ciel, paix aux hommes sur la terre. Seigneur, exauce-nous. Que ton archange Saint-Michel guide vers ta lumière tous les fidèles défunts. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles par l'intercession des anges qui nous sont donnés comme guide et soutien.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que le Seigneur, plein de miséricorde et de bonté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Let's